Alors, je travaille aussi avec une technique qui est l'organisation neurologique, qui va être une technique, en fait, on va chercher à synchroniser des réflexes de positionnement qui sont des réflexes primitifs, présents chez tous les mammifères, et qui peuvent être désynchronisés. Donc, on va simplement tester les réflexes et les corriger. Ça va vous permettre, entre guillemets, de positionner le cadre, c'est-à-dire d'avoir une bonne conception de la verticale, de la droite, de la gauche, de l'avant, de l'arrière. Là-dessus, les corrections plus spécifiques au niveau de la colonne vertébrale que je vais donner après vont mieux tenir dans le temps. Du coup, c'est quelque chose que je vais chercher à mettre en place dans les premières séances de traitement chez quasiment tout le monde, en fonction des priorités. Bien sûr, s'il y a d'autres choses avant, je vais passer par ce qui est nécessaire. Mais une fois que le corps me laisse la possibilité de travailler sur les réflexes de positionnement, alors je vais le faire pour mettre en place cette organisation neurologique qui va être essentielle en fait à ce que les corrections tiennent dans le temps, surtout pour tout ce qui est d'origine vraiment physique. Voilà. Ça va permettre de corriger de manière stable les corrections physiques. Par exemple, un bassin qui est tout le temps en bascule, les gens, on leur dit tout le temps, ah, t'as une jambe plus courte que l'autre, et ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'un point de vue, si l'origine est vraiment physique, ça va permettre de stabiliser cette correction dans le temps. Et ça, c'est du coup, c'est quelque chose avec lequel je travaille, parce que j'aime pas faire deux fois la même chose.